Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour projeter des toilettes avec le gravilanceur. Et oui, donc les potos, ça va être ultra dur de trouver un gravilanceur, il y en a très très peu sur la map. Les taux de pourcentage de drop un gravilanceur dans un coffre sont très très basses. Heureusement, il y a des villes où le taux de drop est un peu plus élevé. Il faut savoir également que vous allez en trouver plein dans les soucoupes aspiratrices. Donc quand vous allez être aspiré dans l'événement et qu'à la fin vous allez avoir minimum du violet pour essayer d'avoir du coup le gravilanceur, vous allez pouvoir l'avoir facilement. Or actuellement les soucoupes aspiratrices ne sont plus là. Donc je vais vous donner mes astuces pour avoir des gravilanceurs facilement et aussi du coup valider le défi. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker et à mettre le code créateur en Bokuni dans la boutique, ça nous soutiendrait énormément. Merci à tous ceux qui le mettront, B-O-K-U-N-I. N'oubliez pas également que actuellement plein de cadeaux sont disponibles dans le Discord. Donc voilà, vous pouvez aller sur le Discord qui est dans la description. Et il y a actuellement 6 giveaways, donc je vous la fais courte. Il y a actuellement 2 Ariana Grande à gagner, ainsi que des planeurs et des V-Bucks à remporter sur le Discord. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à y aller et à cliquer directement. Donc sur ce, je vous montre l'emplacement du gravilanceur. Et voilà du coup l'emplacement d'un gravilanceur, donc les potes, tout simplement, vous allez pouvoir le trouver sous cette forme là, d'accord? Donc le petit gravilanceur, et tout simplement, donc les endroits où vous allez en trouver énormément. Donc ce sont les endroits où vous voyez, donc en haut de mon personnage, en haut à droite, vous voyez des œufs en fait. Et dès que vous voyez des œufs de parasites quelque part, et bah tout simplement vous allez pouvoir en trouver dans cet environnement. Ok, donc là actuellement, donc pour ceux qui veulent, je suis à côté de Lazy Lake. Ok, donc dans le premier bâtiment, donc là où il y a la piscine, etc. Donc là vous allez pouvoir en trouver, je pense, assez facilement. S'il n'y en a pas dans votre game, essayez de retenter. Moi honnêtement je l'ai eu dès le premier coffre et ça m'a pas étonné. Donc essayez donc d'aller dans les endroits où il y a des œufs. Je vous conseille également du coup cet endroit là, donc à côté d'hydrocèse, ok. Donc l'endroit là, fourmi, d'œufs et de coffre, donc vous allez pouvoir en trouver également. Je vous conseille également Slurpee, puisqu'elle a eu des modification en jeu il y a pas longtemps. Il y a donc pas mal de chances également d'avoir un gravilanceur parmi tout ça. Ok les gars, donc j'avais trouvé l'arme juste ici, hein, on est d'accord. Donc vous allez trouver un toilette donc pas longtemps après. Vous avez juste à regarder, vous allez là, vous allez descendre, ok, et vous allez à l'étage en bas et vous allez trouver du coup des toilettes. Donc pour ceux qui veulent un emplacement un peu plus facile, vous avez juste à regarder donc la façade ici, ok. Donc voilà, là on est à Lazy Lake, on voit le gros bâtiment, on arrive là et on a du coup le premier toilette qui est juste ici. Alors comme je vous ai dit, pas besoin d'un toilette mobile, pas besoin d'une cabine, pas besoin de rien. Ok, c'est juste ça, ça va. Donc il suffit de pointer du coup le toilette avec le gravilanceur et de l'utiliser tout simplement. Donc voilà, hop là. Donc une fois que vous avez le toilette comme ça, il suffit de le projeter. Et une fois que vous allez le projeter, tout simplement, le défi va être validé, donc à 1 sur 2. Hop, et voilà, 1 sur 2 les gars. Donc suffit de reprendre encore une deuxième fois le même toilette, et du coup de le rebalancer, et vous allez voir que le défi va être validé. Et voilà. 2 sur 2 les gars. En tout cas, si le défi vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. En tout cas les potes, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, de nouveaux défis, de nouvelles aides. Sur ce, ciao, c'était Ekar.